toujours à l'affût des bonnes adresses. Aujourd'hui, on va se rendre dans un bar à fromage ou une fromagerie nouvelle génération plutôt, Beau et Fort. Et on va un petit peu voir un peu leur concept parce que c'est vraiment intéressant et qu'on a quand même beaucoup de choses encore à découvrir dans les concepts restauration. Et voilà, bon bah là je vous présente mon pote Rico. Hello. On va déjeuner ensemble. Hello. Et on va déjeuner ensemble chez Beau et Fort. Et on va y rentrer de ce pas. C'est parti, on va faire la visite. Là. Bonjour l'équipe Beau et Fort. C'est tellement beau, c'est magnifique. Benjamin qui est le co-manager, deux co-managers pour cette grande salle, 85 places. Et là, le menu. Le menu, donc la formule, la carte du midi en fait, elle a deux axes. Elle a évidemment cette fromagerie, donc c'est 10 fromages en fait qui viennent animer notre carte et qu'on peut déguster à tout moment de la journée. Donc pourquoi on dit 10 fromages? Il y en a 9 qui apparaissent ici et le 10e est mystère en fait. Et il rentre notamment dans la composition de ces plateaux de jamais 304. D'accord. Finalement vous choisissez 3 fromages, ceux d'accord qui font plaisir et le 4e on vous l'offre. Et les mystères, donc c'est pour d'accord ça qu'on dit qu'il y a 10 fromages. D'accord. Et ces 10 fromages changent toutes les semaines, donc chaque lundi on change notre carte de fromage. Ce qui fait qu'on, parmi toutes les variétés de fromages qu'on peut avoir, donc quasiment une centaine de fromages dans la fromagerie, on rend accessible 10 fromages par semaine sur cette sélection qu'on a en fromagerie. D'accord. Voilà. Donc chez nous, cette fromagerie, on peut en faire un apéritif, une entrée, en prenant simplement un ou deux fromages. Ou on peut vraiment faire un repas entier, que ce soit le midi ou le soir ou l'après-midi, autour du fromage. Très bien. Et cette carte est donc accessible midi, après-midi et soir. Donc c'est vraiment le donc, les horaires, c'est quoi du coup les horaires? Donc le restaurant il est ouvert de midi à 14h30. D'accord. Et après il y a des petites extensions qui seront le week-end et en d'accord fin de semaine. Et le soir de 19h jusqu'à 22h30, voire 23h les. C'est les pas ouvert l'après-midi du coup? Si, si, c'est ouvert l'après-midi. En fait on a une carte du midi qui est en train de d'accord vous présenter, une carte du soir. Et l'après-midi on conserve une carte notamment avec le fromage qui est ici. D'accord. Et des desserts, des petites choses à déguster. Donc entre 14h30 et 19h, c'est ouvert. Exactement, aussi. Exactement, c'est ouvert. D'accord. Ouais. Très bien. Après, si vous voulez venir boire un café avant midi, c'est aussi possible. Hein, mais... D'accord. Très bien. Et en complément, on a travaillé sur donc, des plats, des desserts, qui rentrent notamment dans une formule du midi. Voilà, les gens sont un peu plus pressés, donc on s'adapte aussi à ça. Avec des plats du jour qui changent tous les jours. Donc là, ce midi, on est sur un filet mignon de porc, un riz rouge et une fondue de poireaux. Et donc un plat dessert à 15€ du lundi au vendredi, donc formule assez rapide. Et enfin on a les petites choses à déguster, alors ça peut être aussi un apéritif, ce qu'on a appelé légumerie ou charcuterie. Mais en fait on a travaillé une carte autour notamment de choses végétales pour mettre un petit peu plus de fraîcheur dans tout ça. Et avoir un accompagnement avec le fromage qui met voilà, un peu de fraîcheur. Et donc on a des poireaux vinaigrettes, des radis sous différentes formes. Et tout ça, ça va changer aussi au fur et à mesure de la saison. Très bien.
Voilà pour la carte du midi. Eh bah super. Une dernière chose sur le fromage qui est quand même assez importante pour nous. On a travaillé sur ce qu'on appelle les super accords, donc ils sont ici. Donc c'est finalement les accords parfaits qu'on pourrait faire avec les différents fromages de la carte. D'accord. Parce que bien souvent on se dit fromage égale vin rouge, mais en fait fromage égale aussi vin blanc, égale bière, égale thé, égale spiritueux, égale plein de choses. Tout à fait. Donc on a travaillé sur toute une série d'accords et là on en rend accessible quelques-uns, mais pareil ils vont changer en fonction de notre carte. D'accord, donc c'est une carte qui va changer avec quelle fréquence on va dire. Alors la fromagerie, on va dire qu'on peut dire qu'elle change toutes les semaines. Toutes les semaines, d'accord. On change la carte des fromages. Et pour le reste de la carte, on travaille un peu sous l'impulsion de la saison et un peu de l'envie des produits qu'on a envie de travailler. Quoi. Mais beaucoup sur la saison. Très bien. Et ben, merci pour ces explications alors. Et on termine par la carte des boissons. En première page des bières, bière artisanale, micro-brasserie très qualitative et vraiment de quoi redécouvrir la bière et notamment avec le fromage, c'est un super accord. En pression et en bouteille, et pareil au niveau des vins, pas mal, une belle sélection ah oui, de vins, en blanc, en rouge, avec... On a à peu près combien de vins là? Une bonne cinquantaine non peut-être, non? Oui, je pense à peu près ça, 40, bonne quarantaine. Une belle cave, d'accord, très bien. Et puis après des vins au vert aussi, on rend accessible. Pareil, la sélection de vins au vert, on l'a fait changer. On croit aussi beaucoup que le vin au vert, c'est aussi une question de saison. Peut-être que l'été, on consomme pas forcément les mêmes vins qu'hiver, notamment, je pense que c'est le cas. Et donc du coup, on fait changer aussi notre sélection, comme ça, ça nous permet de faire découvrir aux gens autre chose. Très bien. Là on a un herbe, c'est un fromage aussi. Le seul à OP belge, c'est un fromage qui est fait avec de la bière, qui est à la bière. Là vous l'avez peut-être reconnu, le fameux c'est le Saint-Marcellin. Un fromage très crémeux, très facile à déguster. Ensuite on va passer sur l'autre planche. Donc là on a un manchego. Donc on met quelques fromages étrangers quand même parce qu'il y a des belles choses en France, mais pas que. Et du coup on a quelques sélections de produits, notamment le Shropshire qui fait un carton, notamment le manchego qui marche toujours autant. Exactement, ouais. Manchego c'est espagnol. Ouais. Je vais terminer par celui-là parce que c'est le fromage surprise. Mais là on a un trèfle de chèvre du Perche. Donc c'est un fromage qui est plutôt frais, facile à déguster aussi, qui est un petit peu cendré. Là on a une tome des Aradis. Une tome des Aradis. Donc c'est en fait le fromage surprise. Donc c'est une tome de Savoie, entre Savoie et Haute-Savoie, un petit massif montagneux, c'est un petit goût de noisette, ça c'est fondant en bouche. Là on a un bleu de chèvre, alors ça c'est une création d'un producteur et c'est un vrai parti pris. Parce qu'il est bleu et il est cendré. Donc il cumule les choses. Quel est le producteur du coup? Alors je vais vous redire le nom du produit. Non, je vais vous redire le nom, ça m'échappe le nom du producteur, je vais vous redire ça. Là on a un Brie. Donc Brie assez classique, mais toujours un carton qui marche beaucoup. Et on finit par le Comté 36. Ça fait vraiment redécouvrir. 36 mois, même plus que 30 mois. Donc. C'est un Brie de Melun, le meilleur des Brie, le roi des Brie. Alors il y en a plusieurs, nous. Je suis Melun, moi. Attention. Ouais, attention, parce que normalement c'est quand même le Brie de Meaux à la base. Melun, c'est des sortes de copieurs en fait, tu peux un peu le dire quoi. C'est le meilleur. Du coup, le Comté 36, les gens redécouvrent un Comté extraordinaire et là on a beaucoup un peu torréfié et c'est fabuleux quoi. 36 mois, c'est quelque chose à déguster. Et donc nous on vous fournit toujours des confitures, on a différents parfums. On a cassis, on a coin, poire, on a figue aussi. C'est nos 4 parfums, mais en fait notre producteur en fait beaucoup plus, mais c'est nos 4 parfums on va dire qui reviennent, qui matchent bien avec le fromage. On vous fournit aussi du miel et donc le pain un peu plus. On a quel poids à peu près là Benjamin? Par fromage, on est à peu près à 60 grammes par fromage. 60 grammes par fromage. Ça veut dire que là, vous avez pris les 10 fromages, ça fait un repas largement. On est bien, on est bien. Voilà. Et donc du coup, comme je vous disais, on vous a mis une petite salade à la graine de courge. On a travaillé sur une carte aussi avec du végétal pour mettre un peu de fraîcheur et de couleur dans tout ça. Voilà. Bonne dégustation. Merci beaucoup Benjamin. Alors, salut Damien. Salut Fabrice. Donc toi, tu es le fondateur de Beau et Fort. Donc c'est ce concept qui allie fromagerie d'un côté et puis de l'autre côté restauration classique, je dirais, en tout cas une véritable restauration. Alors parle-nous un peu de comment ça t'est venu, comment t'est venue cette idée de créer cette idée qui est assez novatrice. Je crois qu'à Paris, il me semble que vous êtes les seuls là du coup. Oui, il y a plein de choses qui se font, telles qu'on le fait, je pense qu'on est les seuls. Alors d'où c'est venu l'origine, on remonte à il y a un certain temps, on va dire à ma naissance. Moi j'ai grandi dans les Alpes, précisément en Chartreuse, entre l'Isère et la Savoie. D'accord. Où j'avais la chance, à côté de la maison, d'avoir une ferme où on passait beaucoup de temps. On avait la chance de boire le lait frais de la ferme le matin. Donc j'étais un peu biberonné à tout ça et le fromage a toujours été un peu à notre table familiale et représentait à la fois un mets, un produit qu'on,
qu'on aimait beaucoup, et aussi des ambiances toujours autour de grandes tablées, de convivialité, de grands moments de partage. Bon, et puis bah, tout ça est bien imprégné dans ma vie et dans ma mémoire. Et puis après, le temps est passé, et depuis 9 ans maintenant, je suis dans la restauration, j'ai monté d'autres restaurants. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps, et j'ai pu utiliser ce temps à me passionner pour l'univers du fromage, aller à la rencontre de producteurs, lire beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de fromagers. Est-ce que ça veut dire que tu as un diplôme à CQP, quelque chose dans le monde du fromage, ou pas du tout? En termes de formation, je dirais théorique, ça a été relativement light. J'ai fait juste une semaine de formation, le 42 heures de formation. J'ai fait le choix de ne pas faire un CQP complet d'un an, et plutôt d'aller à la rencontre sur le terrain, faire des stages dans des fromageries et passer dans la production de fromage. Tu as donc fait des stages dans des fromageries avant de te lancer ici. Exactement. Très humblement, autant que je me sois passionné et formé depuis 2 ans, je ne suis pas non plus expert en la matière, et je suis très bien entouré, et je pourrais pas tenir la fromagerie tout seul aujourd'hui. Moi, j'imagine qu'il faut des fromagers, puis bon, je crois que vous êtes 15 quand même chez Beaufort, 15 personnes qui travaillent, parce qu'il y a quand même des horaires. Il y a un petit peu de monde, ouais, une chouette équipe d'ailleurs qui se réunit cet après-midi pour fêter l'anniversaire d'une d'entre nous, parce que finalement, en effet, comme on est ouvert 7 jours sur 7, c'est pour ça qu'on est 15 avec les deux activités fromagerie et resto. Et du coup, bah, on est rarement tous là au même moment. Oui, donc on ne se voit pas forcément tous. On ne voit pas tous en même temps. Mais en effet, la fromagerie ouvre sur des horaires de journée de 10h à 20h. Là, pour l'été, enfin, en tout cas à partir de mi-mai, on va passer à des horaires étendus, passer à l'horaire du soir, où on va ouvrir tard le soir pour les clients du resto, en fait, qui ont souvent envie de repartir avec les fromages exagérés, ou plein de gens qui passent la porte en se disant « j'ai rien dans mon frigo, c'est dommage d'aller acheter n'importe quoi à cette heure-ci ». Surtout qu'à Paris, on peut travailler assez tard, donc somme toute, c'est bien de retrouver en fait un artisan, un commerçant ouvert tard, qui nous permet, en sortant du travail, d'avoir des produits de qualité, au lieu de se retourner vers un Franprix ou un Monoprix et d'acheter peut-être des fromages de moins bonne qualité, par exemple. C'est un peu la démarche, donc on va tester ça. Aujourd'hui, quelles sont tes ambitions? Aujourd'hui, tu as ouvert un Beaufort. Est-ce que l'idée, c'est d'en ouvrir plusieurs? Est-ce que c'est plutôt de se concentrer sur celui-là et d'être content avec celui-là, ou tu lances véritablement un concept au final? Des idées, des projets, j'en ai toujours plein la tête. Donc, j'avoue que j'aime beaucoup la création, et c'est vrai que chaque jour j'ai des nouvelles envies et des nouvelles idées. Après, le projet est avant tout, surtout, de super bien établir les choses. Enfin, notre projet est avant tout d'accueillir chaque client hyper bien et toujours mieux, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit content de venir ici, et surtout de revenir. Donc, consolider les bases de Beaufort. Donc consolider ici, ouais, et puis d'autant plus qu'il y a plein de choses à faire. C'est vrai. Aujourd'hui même, par exemple, on a lancé une offre de sandwich à emporter de la fromagerie. Demain, on ouvrira peut-être le matin pour des petits déjeuners, ce qu'on fait pas actuellement. Tu as eu la demande pour ça? C'est quelque chose que tu ressens? Il y a des gens qui t'ont dit « j'aimerais petit déjeuner » ou « venir petit déjeuner ». Oui, il y a de la demande, et puis c'est comme beaucoup de choses aussi, l'offre et la demande. Donc, si tu es ouvert, il peut y avoir la tentation de venir effectivement chez toi. Voilà, donc ouais, pour répondre à la question, peut-être bien qu'un jour on ouvrira d'autres choses derrière, mais avant tout, c'est de très bien faire les choses ici pendant un certain temps. Oui, parce qu'il y a quand même un investissement non négligeable. Déjà, le lieu est grand, il y a combien de places à peu près? Pour faire simple, en place assise de restauration, il y en a 100, une quinzaine dehors, 40-45 en bas et une quarantaine en haut. D'accord, oui, donc ça fait quand même un certain volume, avec une ouverture 7 sur 7, sauf le dimanche soir, si j'ai bien compris. Exactement. Tu m'as expliqué. Bien, donc ça veut dire qu'effectivement, tu as une équipe d'une quinzaine de personnes, un investissement et une déco topissime. Donc forcément, faut consolider, faut déjà rentabiliser, je dirais, ce projet. Oui, c'est un projet, c'est vrai,
avec une certaine ambition, même sur juste ici, sans parler d'ailleurs. Tu n'avais jamais été dans le secteur de la restauration au final? Si. En fait, depuis 8 ans maintenant, c'est 9 ans même maintenant, c'est le cas. Depuis 2009, j'avais ouvert d'autres restaurants auparavant, ce qui n'était pas mon métier initial, parce que avant ça, moi, je suis ingénieur de formation, j'étais consultant en stratégie. Mais depuis 2009, j'ai ouvert 5 autres restaurants avant ici. D'accord, ah oui, donc tu as une expérience quand même assez épaisse au niveau de la restauration. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On apprend tous les jours, mais en tout cas, ce n'est pas mon premier restaurant. D'accord. Ouais. Eh ben Damien, je te remercie pour tout ce petit témoignage, cette petite interview informelle entre nous. C'était vraiment sympa. En tout cas, tu as un super concept. Tu as une déco. Ben, le concept, je sais de quoi je parle. C'est un très bon concept. Il faut que tu viennes à Lyon. Mais je trouve que la déco aussi, l'ambiance, on s'y sent vraiment bien. C'est très, très agréable. C'est un espace très lumineux en plus. Alors aujourd'hui, il fait beau en plus, donc c'est magnifique. Donc merci beaucoup. Et puis je te dis à une prochaine fois. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir les foodeurs. Au revoir.